Avec la radio Télé C+, aujourd'hui mercredi, nous recommandons à la passe là dans la plage orientale, autopiste Saint-Isidre, édifice ça là, côté qui agent immigration, de concert avec la police, je descends à tout le monde qui est dans l'édifice ça là. Je mettais tout le monde dehors, et il y a des gens qui ne pas même connaît qui côté vous aller, parce que les gens ça, il y a des gens qui étaient en charge, enfermé au espace dans l'édifice ça. Alors tout le monde qui est dans l'édifice ça, ce n'est pas le monde qui est venu pour compte. Dans pile monde là, c'est le monde qui est enfermé au commencement pour être capable de rester dans l'édifice ça. Nous sommes capables de voir ça passer là matin là, immigration avec la police est venue, ils mettent tout le monde qui est à vivre dans la résidence dehors. Ils mettent tout le monde net dehors là dans l'édifice ça. Alors, les gens qui étaient en charge, enfermés à Haïtien, ça, il se passe ça. Ils n'ont pas venu encore un bon bout de temps. Ils n'ont pas venu. Mais, heureusement, malheureusement, ils mettaient tout Haïtien dehors. Sans qu'ils n'aient pas invité. Moi, je pense qu'ils n'ont pas eu aucun délai pour être sortis, remettre l'espace ça. Maintenant, là, il y a exagéré dans la plage orientale, dans l'autopiste à San Isidro. Chaque fois que je regarde là, c'est comme ça, ça passe. Il y a des gens qui vont même connaître qui côté ils vont aller matin. Alors, nous-mêmes, quand on a une nouvelle, il faut que nous ayons une nouvelle là. Bien, Haïtien, même, ils habitent dans le pays. Il y a tout Haïtien qui a un papier, ils ont quitté. Mais Haïtien qui a un papier, ils ont arrivé, mettre dans la machine, ils ont allé ensemble avec eux. C'est comme ça que ça passe. Bon, ici, là, jeudi, mercredi, dans l'autopiste à San Isidro. Et Blader, comment vous allez-vous? On est vite. Ou direct là sur Radio Télé, c'est plus souvent, mais ça va faire passer matin. Qui est-ce que ça a l'idée? Ça va aller bien depuis en 2002. Depuis en 2002, il y a eu là. Il y a ça où il y a eu là. Mais il y a eu là. 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 Mais est-ce que vous avez déjà eu là? Vous avez invité? Vous avez dit que vous avez eu là? Non, il y a eu là. Il y en a qui paraît matin, puis ils mettent nous dehors. Mais t'as gens, moi là, moi, tout le bagage semblé, ou à dire, moi, il y a des gens qui vont même qui côté ou aller. Qui ça nous gagne en plan, nous, sont là, plus tapetés, qui ça nous voulait faire même? Ah, si la vie a tombé là, puis le monde a perdu un peu de bagage là. Vous venez sans aucune invitation, vous mettez nous tous dehors, tout le bagage dans la rue. Nous disons merci pays nous. Un pays nous. Ça veut dire que vous remerciez le gouvernement haïtien. Oui, le gouvernement haïtien qui est la cause nous là. Nous voulons nous faire la cause nous là parce que. Haïtien ça qui pas de parler, ou pas de prendre ce cabine météo dehors matin. Ils mettent dehors dans la résidence ça là. C'est une résidence privée qui était abandonnée depuis 2010, monsieur Sayo là. Ah mais je dis à la, ils mettent tout le monde dehors. Mais là, plus pareil, groupe Haïtien Sayo, par contre, qui Sayo est supposé faire? Il a demandé support avec l'ambassade pays, il a demandé support avec leader haïtien pour voir qui ça qui était capable d'aider au faire dans le moment. Et que mes bagages qui me connaît. Et parmi tout le monde qui est victime, est-ce que même sont victimes d'où? Moi-même, moi, son bagage victime, sont victimes parce que c'est eux-mêmes, c'est pays. C'est pays parce que c'est nous-mêmes qui avons de l'argent à vivre là. Ils n'ont pas d'accord parce que c'est nous qui vivons dans le pays qui n'a pas gagné.
comme une fiche, papier, avec des gens locataires. Même quand il y a là, nous ne pouvons pas payer nous-mêmes. Nous ne pouvons pas payer. Nous ne pouvons pas payer qui nous repayer parce que nous ne pouvons pas payer. Nous avons un problème avec Bambou. C'est le peuple qui veut récupérer. Ça veut dire pas dire nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles et tout pour vous dire? Nous ne pouvons pas payer. Nous ne pouvons pas payer. Nous ne pouvons pas payer. Nous ne mais à qui ça monte le Bon, c'est quoi ça s'est passé jeudi mercredi à là, entre Sona Franca, dans le Plado Oriental, autopiste de San Isidro. Et vous mettez tout haïtien ça aide là, dans pile haïtien nous capables de aller avancer. Vous pouvez même connaître qui côté vous allez. Haïtien ça aide couper espace ça. Pour un bon bout de temps, mais ce matin, vous regardez, vous voyez, la police paraît avec l'adjuntamiento, vous mettez tout le monde ça aide là. J'en ai regardé, il y a un pile machine qui est en beauté, bagaille déjà. Il y a un pile bagaille qui est en beauté déjà. Et il y a l'autre machine toujours cap chargé. Mes amis, bagaille là, il y a grave en pile, c'est comme ça. Ça passe dans le site, dans le plat oriental. Tout haïtien ça y est, obligé de mettre tout dehors avec ça y est, tout bagaille dans la rue. Nous avons identifié que les a commencé à avancer là. Il y a un pile haïtien qui peut même bien côté pour aller. Quelques confrères qui de bonne volonté cap travaillent ensemble avec nous dans la communauté internationale et nationale droits humains. Donc, je pense pas aussi pour que vous venir nous pour nous demander nous comment donc ça est et qui possibilité que nous gagnons dans le moment que vous mettez nous de la côté de Dieu pour nous aller. Je prends un téléphone. Vous êtes capable de pas identifier qui est là d'ailleurs. Non, parce que vous êtes en pile. Est-ce que le militaire n'est pas habillé même avec le chef d'immigration? Et la police n'est pas habillé même avec le militaire. Donc, combien de catégories de policiers militaires donc nous avons quitté leur intervention? Non, mais depuis avant très sous, vous êtes en pile. Vous ne pouvez pas
qu'à distinguer yo depuis yo entré yo pas en pile les entré yo méthode yo yo dou descend et puis yo même yo retend dakay là yo dou descend yo retend dakay et go fiscal qui gè là accompagne pas côté gè fiscal là. De toutes les façons, donc ça c'est une situation qui est vraiment terrible. Et on a demandé pour que la presse haïtienne soit capable de pencher sur ça. On a demandé pour tout le comité organisation internationale et nationale capable de pencher donc ce dossier ça. Parce que pas tout le temps c'est haïtien, tout le temps c'est haïtien, tout le temps c'est haïtien. Donc on a demandé pour que l'association d'église capable de prendre responsabilité et n'a pas de pour tout leader qui fait partie des organisations, qui gagne fédération et autres. Donc si on est capable d'arranger pour comment qu'on est capable de mettre tête ensemble pour nous collaborer avec les victimes, pour nous aider ça qui est dans le besoin. Donc j'espère que le Seigneur va compter en pile en pile. En tout cas, merci. Est-ce que moi j'étais venu visiter la situation comment qu'elle est? Vous voyez le banon et côté qu'elle est capable à travers le monde. Donc la situation qui peut pas ici à vivre en République dominicaine afin que le comité de droits humains international capable de prendre une décision de penser avec l'ONU et OEA donc, pour capable ce soir donc, sur des autres ça qu'on dans notre pays. C'est comme ça, révérend pasteur Morin, Morin t'est passé visiter victime du mercredi à là, j'en barre la passe là, dans l'autopiste à San Isidro, frente à la zone franca, et à nous, il y a toujours des gens qui toujours dans la rue, toujours, tout bagaille toujours là, et nous, elle a commencé à avancer, tout le monde dans la rue, et la pluie va tomber. Mais j'en ai là, nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de côté pour aller même, non? Nous n'avons pas besoin côté. Wow, mais nous, en doute là, nous connaissons, on va tourner là encore, je veux dire. Mais ça vient passer là, pas dans l'église, comme le pasteur Jean-Claude qui a une équipe qui est dans l'église pasteur, l'église dialogue. Fait que pasteur Faud, ma pas de monde ici là. Nous ne pouvons pas faire aucune église nous-mêmes. L'église en l'air, il faut nous laisser Libéra. Bon, c'est comme ça ça passe, c'est comme ça ça passe, je dis mercredi à là, nous sommes capables de voir toute bagaille mouillée dans la rue, et la pluie va tomber, toute bagaille toujours dans la rue, nous n'avons pas de pari pour ça. Il y a un peu de monde qui a un petit monde petit, qui n'a pas de copes dans le milieu, pour aller enfermer un appartement, pour aller vivre. Nous, M. Roberto, là, lui-même qui est un chauffeur haïtien, depuis le matin, qui a un service. M. Roberto, comment c'est bouqué là? Ah non, pas bouqué, nous ne pouvons pas faire un service. Nous ne pouvons pas service. Mais c'est comme ça, les haïtiens, les bagailles, ils sont pour tout le monde. Nous m'aide avec Jésus. Non, depuis le matin, je viens là déjà, moi j'ai aidé, et à nos jours, moi j'ai aidé toujours là. Bon Dieu, bah, force à quoi, vous toujours aidé. Ah, mais c'est comme ça, nous, c'est quoi l'autre. Mais j'en vais la passer là, nous croyons que l'organisation, bien pour dire, on va un mot dans ce qui a passé là, parce que nous n'y a pas de parler. C'est comme si on l'a mort qui passait rapide là, parce qu'on n'a pas invité. Et nous, on a tout le bagaille dans la rue, on a demandé de presser, à quelques organisations qui sont capables. Et deux mounsayo n'ont mesi pour être capable de jouer de côté pour être avec famille. Parce que les mounsayo après tout encore, ils ne peuvent pas y aller encore dans la caisse. Ils n'ont pas d'invité, ils ont venu mettre tout le bagage dehors. Mais ça, c'est un hygiène lié pour les haïtiens qui sont victimes dans l'autopiste à San Isidro. C'est Radio Télé Plus qui est passé dans le moment ça, faire une petite visite pour information. Moi, je dis bonsoir avec le comité. L'idée droits humains national et international.